Attends, Thomas, qui devait tout vérifier avec ses études soi-disant supérieures. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Écoute, Bouli, si tu veux le poids, nous, on t'en fait cadeau, ça nous intéresse pas, voilà. Oh, dis donc, hé, toi, tes ailes de géant, elles t'empêchent pas de marcher, non? Oh, écoute, Bouli, tu joues, oui? Ouais. Ah, tu sais que Daisy, elle a du mérite, hein, la vie avec Pépé. Allez, on se retrouve. Qu'est-ce que tu dis? Rien, allez. Non, parce que si on commence avec la vie privée, moi j'ai deux ou trois balancières pour toi si ça t'intéresse. Hein. Ah bon? Lesquelles? Ouais. Je voudrais pas faire couler ton email. Moi je me mets pas de email. Mais l'autre là, tu sais celui qui joue debout, il se met des bigoudis. Ça l'a pas empêché de se tirer avec ta femme. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Toi, ramasse ta raquette. Il va lui faire éclater les genoux, moi, avec sa sale gueule et son type antisémite. Parce que je suis de gauche, je mets tout de suite les cocos à Moscou. Ça va? Qu'est-ce que t'as dit, là? Qui c'est qui a le type antisémite? Toi? Va chez toi, Bouli, va chez toi. Tu vas m'écouter, va chez toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, d'abord? On est le type sémite, on n'a pas le type antisémite, qu'est-ce que ça veut dire? Si, justement. Pas possible. Et c'est comment? Comme toi. Avec tes petites moustaches. Ta façon de parler, ta façon de marcher dans la rue, de regarder les mecs. Enfin, ça se voit, quoi. T'as le type antisémite. Oh non, Daniel. Non. Dis donc, toi. T'es tout seul dans ton petit costume pour me parler comme ça? Est-ce que c'est fini, oui? Aïe! T'as mal? Évidemment, j'ai mal! C'est toi qui as tout déclenché, aussi, avec tes simagrées! Une sorte de là! Toujours quelque chose dans la crainte! Tu vas me filer un coup d'éventail? Déconne pas, hein. T'as eu peur, hein? Non, il est battre l'Apollon. Et donc, tu sais ce qu'il lui dit, l'Apollon et Miss France? Il va te filer un coup de tronche, Miss France, tu vois. Arrête de me provoquer, y'en a marre en plus, hein! Écoute, Simon, c'est pas parce que ta mère te détraque les nerfs. Ah, laisse ma mère et occupe-toi de ta femme! Parce que. Ah! Parce que quoi? Mais pourquoi tu me dis ça? Mais pourquoi tu me dis ça, salaud?